I'm very pleased to be here as Executive Director of CORAF, but I am also from a Sahelian country that is French-speaking, so you'll allow me to exercise the privilege of speaking in French, even though I had initially prepared my presentation in English. However, to give you the time, I want to start with a story. When Sanginga was talking about presidents, I remember the former DG of IITA summoning me back from France where he had sent me for a mission. I had to find a way of traveling back very quickly to Cameroon and from Cameroon to Nigeria. When I reached Ibadan, he put me in the small plane of IIT and we went together to Abuja to meet His Excellency President Obasanjo, whom I had to explain what plantain could do for the country, even though he knew it better than I did. To test me, he asked that we put an experiment on his own farm. I never wrote a report of that experiment, but it was done. And DG Hartman later told me that Obasanjo called him and said, "That young boy," because that's the way he was calling me, "told the truth. These things are good, but we need to find a way of getting them very quickly in the hands of those who need to use them." So yes, our heads of state can make a big difference, and that's the kind of message I try to pass to them and to ministers when I have the opportunity to meet them. I would like to now turn to my goodwill message in French. Monsieur le Directeur Général de l'Institut International d'Agriculture Tropicale, Monsieur le Représentant du Président de la Banque Islamique de Développement, Messieurs les Représentants des institutions nationales en charge de la recherche agricole, du Conseil agricole et de l'emploi des jeunes, honorables invités, chers collègues, c'est un grand plaisir et un immense honneur pour moi d'être ici à Ibadan pour participer à cet atelier de réflexion et de prise de décision pour la mise en place d'un plan de riposte approprié contre les défis de l'agriculture au Sahel. Mon organisation, le CORAF, est une association des acteurs publics et privés du monde de la recherche agricole et du développement, qui couvre 23 pays de l'espace Afrique de l'Ouest et du Centre, dont plusieurs de l'espace Sahel. Le Sahel, c'est la convergence et la juxtaposition de tous les défis en rapport avec les objectifs du développement durable. 1. Sur la pauvreté. 2. Sur la sécurité alimentaire. 13. Sur le climat. Mais c'est aussi un condensé de contrastes, voire de paradoxes. Je vous en cite quelques-uns. Le contexte physique. Il y a de l'eau en abondance au Sahel, mais en disponibilité réduite. La pression foncière est forte et source de conflits, mais il y a beaucoup de terres disponibles et récupérables. Le contexte démographique. Il y a une forte urbanisation avec une population jeune en forte croissance et à forte mobilité, essentiellement restreinte à la région, bien que le visage de la migration hors du continent soit la plus visible avec un visage sahélien. Elle touche environ 30% des migrants africains, lesquels constituent moins de 10% des 258 millions de migrants recensés en 2017. C'est déjà beaucoup trop, car ce sont des bras et des intelligences qui sont peut-être perdus pour nous. Le contexte transactionnel. Des priorités pour le développement agricole et rural qui restent assez classiques et font consensus, car procédant d'une approche réactive et palliative, alors qu'on insiste sur la nécessité d'un changement d'approche avec des approches donc anticipatives et préventives. Le contexte sécuritaire, enfin, il y a
l'internationalisation des phénomènes de militantisme violent et du grand banditisme qui convergent souvent et qui menacent, sinon rétrograde, la stabilité politique des pays malgré les avancées en matière de démocratie et de gouvernance et par conséquent la croissance économique. Je voudrais me pencher un peu sur le dualisme sécurité alimentaire et sécurité d'État. Il n'y a pas d'excuse pour l'activisme militant violent, mais il est important d'en comprendre les causes profondes. L'idéologie est une cause, qu'elle soit consciemment embrassée, je dirais par malnutrition spirituelle, ou psychologiquement inculquée par lavage de cerveau. Plus petit est le cerveau, ou plus efficace est la machine à laver, et plus vite le lavage est fait, tout comme pour la lessive. La pauvreté est une autre cause. Quand les gens ont désespérément faim et sont dans le besoin de nourrir leurs enfants, ils recourront à presque tout. Reconnaissons certes que tous les militants ne sont pas des pauvres, et que tous les pauvres ne se transforment pas en militants violents. Indispensable pour détourner la tentation ou l'attraction de la radicalisation et atténuer ses effets. Il n'y a donc pas de sécurité d'État sans sécurité alimentaire. La condition est de créer les conditions qui soustraient les jeunes à l'embrigadement en leur offrant des alternatives économiquement et socialement viables dans leur espace d'origine nationale ou régionale. Formuler des démarches de résolution des crises et conflits résultant de la pression sur le foncier, au national et au transnational. Concevoir ces options dans l'urgence, tout en visant simultanément des changements importants à grande échelle. En somme, et c'est pour cela qu'il est important que cette conférence se tienne, il s'agit de mobiliser la science pour l'impact, mais aussi de travailler dans le danger. Dans ces conditions, je voudrais affirmer ici haut et fort que le CORAF soutient l'initiative de l'IITA et recommande de reconnaître les différentes interventions en cours d'exécution ou de formulation qu'il faudra prendre en compte dans un souci de synergie, par exemple reconnaître les efforts des pays dans le cadre des programmes nationaux d'investissement agricole pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au régional. Il y a un programme similaire. Nous recommandons aussi de stimuler le brassage et les échanges inter-pays pour le renforcement de capacités en rappelant la nature transfrontalière des défis et la culture de résilience et de solidarité des populations et de leurs institutions, particulièrement au Sahel. Cela permettra de bien exploiter ce que j'appelle les jugements croisés de valeur ajoutée. Nous recommandons aussi d'élargir l'espace d'intervention à des pays qui ne sont pas présents ici, mais qui ont, avec la zone du Sahel, beaucoup de similitudes, le Cap-Vert, la Mauritanie et puis le Nord-Cameroun. Il faudrait aussi associer le secteur privé. Je salue la présence ici de mon grand frère Sidibé, avec qui j'ai eu beaucoup de conversations très intéressantes, partageant la même passion pour la culture de tissus, entre autres. Maintenant, il s'agit de savoir que le secteur privé est probablement notre espoir en ce qui concerne les intrants et aussi pour la transformation. La dernière recommandation, c'est de mettre en place un comité de pilotage pour superviser le programme et fournir le lien direct avec les décideurs. Je voudrais terminer en citant les trois priorités du CORAF. Je ne les ai pas écrites. La première priorité,
c'est de construire l'espace de recherche et développement solidaire dans la région sur la base de ce que nous appelons les centres nationaux de spécialisation, dont certains évoluent en centres régionaux d'excellence. Je n'en dirai pas plus. Un certain nombre de pays ont accepté de mettre leurs ressources avec la coordination du CORAF au profit de toute la région. Ces centres seront les centres privilégiés de l'intervention de l'IITA, mais aussi de toute autre compétence qui voudrait nous appuyer. La deuxième priorité, c'est d'accélérer le transfert vers les utilisateurs de toutes ces connaissances que nous avons acquises. Elles existent, elles ont fait leurs preuves, il faut accélérer. Et c'est dans ce sens que nous mettons en place un nouveau programme qui, à terme, devrait pouvoir faire appel aux technologies qui existent au niveau de l'IITA et d'autres centres pour les mettre à la disposition des pays. Très rapidement, j'ai nommé ce que nous appelons le programme de transformation agricole en Afrique de l'Ouest et dont nous pensons qu'il pourrait démarrer vers le mois de juillet ou de septembre en fonction de la rapidité de la Banque mondiale. Le troisième axe que Dr Sanginga a évoqué tout à l'heure, c'est l'axe de l'anticipation. Nous ne pouvons pas toujours attendre d'être frappés par une catastrophe pour réagir. Et c'est en ce sens que le CORAF s'associe étroitement à l'idée fondée sur Cotonou pour mettre en place un dispositif régional de veille phytosanitaire. Je n'en dirai pas plus car vous aurez l'occasion, j'en suis sûr, d'en apprendre plus. Je voudrais, sur ces bases, vous dire que le CORAF souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie de votre aimable attention.